What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je vais jouer en direct au Finistère. Alors vous vous souvenez sûrement, j'avais fait cette vidéo avec le Chardon de l'année 3 à l'époque. Donc ça fait quoi, il y a quelques semaines, il y a 3-4 semaines à peu près je pense. Et du coup je me suis dit, allez aujourd'hui je vais jouer au Finistère. C'est une arme avec laquelle j'ai vraiment très peu joué, j'ai vraiment fait très peu de parties avec. Donc je vais jouer avec, je suis en chasseur, alors avec le ronde de nuit. Je joue avec le pigeon dévastateur en arme secondaire, voilà comme ça si jamais je fais un petit marqueur, au moins je pourrais finir le mec. Après j'ai le lance-roquette directement de la bannière de fer, voilà un petit peu mes items. Donc là, alors attendez, j'ai même pas mis la bonne relique. Faudrait que je mette une petite relique en discipline force ou alors celui-là. Alors attendez, hop, discipline force, discipline force, discipline force. Ok, j'ai pas mis les bons gantelets. Hop, et là du coup on est pas mal, voilà c'est parti. Donc on a 300 de discipline, 300 de force, ça tombe bien. J'ai lancé de la domination, pourquoi la domination, parce que j'aime bien ce mode de jeu et au moins ça va pas trop rusher. C'est pas comme si vous voulez la suprématie où il y a beaucoup de pompes. Je pense que s'il y a beaucoup de pompes en face de moi, je vais me faire défoncer. Et du coup voilà, donc je suis accompagné d'un mec dans mon escouade, il m'a rejoint. Voilà, je le connais pas forcément, je crois que j'ai dû faire une ou deux parties avec lui l'autre jour. Voilà, il m'a rejoint, c'est pas grave, il va nous aider un petit peu à capturer les zones comme ça. C'est pas plus mal et on va essayer de faire pourquoi pas des bonnes parties. Alors franchement le Finistère, c'est une arme, j'ai vraiment beaucoup de mal avec. Les snipers c'est pas on va dire mon point fort, moi je suis plutôt un joueur qui aime bien jouer aux pompes et rusher. C'est vrai que le sniper faut jouer un petit peu plus... en recul, pas forcément campé, mais jouer avec plus de recul. Et du coup c'est parti, alors on a trouvé 8, 10 joueurs d'un coup. Hop, c'est bon, il n'y a pas forcément des squads non plus. Ah, et bonne nouvelle les gars, je vous l'ai pas dit, bonne nouvelle également. Il y a peu de temps, on a fait installer une deuxième ligne dans notre appartement. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un appartement de fonction en fait. Et du coup, il y avait pas mal de gens qui étaient connectés sur la co. C'est pour ça que des fois, on était dans le rouge. C'est même pour ça que beaucoup de gens nous ont traités de tricheurs alors qu'on triche pas du tout. C'est que la co était vraiment pitoyable. Du coup, on a fait installer une deuxième ligne. Ce qui fait que là, vous voyez, je suis dans le vert. Normalement, si tout va bien, voilà, je suis dans le vert. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça change, franchement, au moins maintenant, ils prennent bien les balles et au moins je bug pas non plus aux yeux des ennemis. Et c'était pas de la triche hein, pour ceux qui pensaient, qui disaient qu'on trichait, j'ai déjà vu ça à droite à gauche, c'était pas de la triche, on avait pas le choix, voilà c'est dommage. Je trouve que Destiny c'est un jeu qui demande vraiment d'avoir une bonne connexion et c'est vraiment dommage parce que du coup ça empêche beaucoup de gens de bien jouer et surtout il y a beaucoup de gens qui se font traiter de tricheurs alors que c'est pas forcément de la triche, voilà. Des fois je mets des tweets hein, comme quoi je me fais des DDoS, là je sais que c'est du DDoS, la box est verte, j'ai plus accès à internet nulle part, voilà ça je sais que c'est du DDoS. Mais il y a beaucoup de gens qui se font signaler pour DDoS pardon, et c'est pas forcément du DDoS et ça je le sais bien. Donc voilà, donc allez c'est parti, on a trouvé, j'espère tomber sur une bonne map, apparemment on est sur la terre, j'aimerais bien la cour de la veuve si possible pour jouer au sniper. Je précise également que j'ai pas encore joué de la journée, j'ai pas joué depuis je dirais 4-5 jours à Destiny, donc là on est jeudi et j'ai pas joué il me semble depuis dimanche. Voilà donc je suis un peu froid on va dire, on verra bien, en ce moment je suis un peu dans FIFA vous voyez. Trouer du crépuscule, bon ça il y a pire pour jouer au snipe mais il y a mieux quand même. Voilà un petit peu, surtout que moi j'ai quand même tendance, en fait c'est ça, j'ai quand même tendance, un joueur a quitté votre escouade, donc il est parti. J'ai quand même tendance moi à trop rusher, c'est mon petit défaut dans Destiny, ce qui fait que des fois, bon je fais quand même pas mal de frags, mais je me fais quand même tuer pas mal de fois également, du coup on verra bien, un petit peu. Domination. Ok on est 4. Équipe Alpha. Je pense qu'ils sont 4 ou 5 en face. Prenez et défendez les zones. Oh là là, bah ils sont 6, encore mieux. On va essayer de faire un petit frag ici, pourquoi pas. L'ennemi a capturé la zone. Fight marker. Zone A sécurisée. Oh là là, j'ai pas montré ici, sinon je suis mort. Oh, je suis froid, les gars, je vais pas vous mentir. Ok, let's go. Oh là là, hey, j'ai jamais joué au pigeon dévastateur, je viens de voir en fait, je savais pas que c'était une arme comme ça, moi je croyais qu'il y avait, vous voyez un peu comme l'intrus, des rafales, mais non, il n'y a pas de rafales, c'est du coup par coup. Bon, j'étais un petit peu chaud, vite fait, hein. Vite fait chaud. Hein. L'ennemi a pris la zone B. Ok, let's go. Okay, le but c'est quand même de gagner la partie aussi également. Bon, cette arme en fait, ouais, faut pas se mentir, faut hardscope. Ok. Allez les gars, on prend B. Ok.
J'ai tiré, il a pas pris, je crois. Je pense avoir tiré. Ok, let's go, bitch. Ok, ça va derrière nous, les gars. On l'a vu, on l'a vu. Allez, j'ai vraiment du mal. Je crois, attendez. Je crois que je vais peut-être baisser un petit coup la sensibilité. Ah, je suis déjà à 5. On va mettre en 4, allez. On perd B, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller l'embêter et jeter les grenades. Ok. Ok, bitches. Zone C, sécurisée. J'ai oh là là, les gars, vous allez pouvoir un petit peu le niveau du mec. J'ai complètement failli. Allez les gars, du coup, on vient de spawn, on est en train de se faire défoncer là avec la team. On va aller reprendre A quand même, parce que A et B c'est quand même ce qu'il y a de mieux, on va pas se mentir sur cette map là. Ok bitches. Ah putain, j'ai bien enchaîné deux là, moi. Ouh, bien joué mec. Vous contrôlez. Ok bitches. Ok bitches. Oh, il me hardscope, il laisse tomber. Deux pour le prix d'un. Ok bitches. Ah, il m'attend depuis tout à l'heure, lui, c'est vraiment un ouf. Unforgiven. Burrito, espèce de burrito. Hein. Zone C sécurisée. Bravo. Et me salue, bien joué. Il m'a foncé. Premier kilo pour mon voyageur. Dévastateur, je sais pas quoi. Trop de dévastation. Ah, j'essaie, je suis au snipe. Mais non, bro. Zone C, sécurisée. Bon travail à tous. Olé, ma gueule, j'ai... Oh là 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 là. J'ai infligé le coup de grâce. Dommage. On va voir un petit peu les loot que je peux avoir. Alors, bon, ça va. 14 frags, 1,08. Ok, le loot est pourrave par contre. Mais 1,08, c'est plutôt pas mal. Bon, on va essayer de lancer une autre partie. Bon, les gars, deuxième partie au Finistère. Et du coup, j'ai changé. Alors, bouclier noir, ça va être une galère, les gars. J'ai changé, je joue en épéiste. Voilà, j'ai changé de doctrine, tout simplement. Du coup, je suis passé en intel discipline également. Et en secondaire, j'ai prendre le pompe. Parce que je me suis dit que voilà, je ferais peut-être plus de frags quand même avec le pompe. Bien que l'objectif est quand même d'en faire au Finistère. Et voilà, parce que c'est vrai qu'à courte distance, quand même, le pigeon dévastateur, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Domination. Du coup, on va avoir franchement le bouclier noir, les gars, au Finistère. Je pense que je vais me prendre une correction. Bon, allez, c'est parti. On va, allez, on vise. Allez, on dit 10 frags. Ok, bitches. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Ok, man. Olé, man. Alors, on est 6 contre 6. Par contre, franchement, c'est vrai qu'en fait, je sais pas ce qu'ils foutent. Après, ce que j'aime pas dans cette map, c'est que ça joue vraiment beaucoup le bâtiment au milieu, là. Olé. On n'aime pas les marteaux. Des munitions lourdes arrivent. Il y en a qui joue pas, je crois. Il m'a collé. Il m'a collé. Vous avez neutralisé la zone C. Ok, dude. Vous avez capturé la zone C. Bon, du coup, on est pas mal du tout, les mecs, là. C'est perdu. Ah,
L'ennemi a capturé la zone C. Putain, un épice dans le vent, les gars, je vous le dis. Zone A neutralisée. Allez, man! Zone A sécurisée. Ouh, je croyais que j'allais l'avoir. Il bougeait pas. En fait, je croyais qu'il jouait pas, mais si, il jouait. Oh, je lui ai mis la balle. Je pensais qu'il jouait pas, les gars. Mais en fait, si il jouait, c'est qu'il visait la porte comme un ouf. Oh, je croyais que je l'avais one. Je l'avais. Hit marqué. En fait, j'aimerais bien pouvoir enchaîner deux frags, voilà, deux petits headshots, tranquillou, finistérien, un truc assez sympa. C'est vraiment l'objectif de... Là, de maintenant. Par exemple, je me suis mis en body. Ouais, quoique 19 000, vas-y, on va essayer d'aller plutôt faire le petit coup de grâce, les gars. Le petit coup de grâce qui va bien. Allez, le coup de grâce, les gars, c'est pour nous encore. Qu'est-ce qu'il y a? On est chaud. Je commence à me chauffer, les gars, je commence à me chauffer. Je pense que là, je vais faire une troisième partie. Je pense que la troisième peut être la bonne, quand même. On va voir ça, franchement. Alors, je sais pas si j'ai fait 10 frags. J'ai fait un frag ou pompe, je crois que c'est tout dans la partie. Oh, 14 frags. Franchement, j'avais misé sur 10 frags, 14 frags. Donc, ça fait 13 au Finistère. Pardon, j'ai dit au dragon visé. Au Finistère, franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, le loot est pas là, mais franchement, voilà, je m'améliore un petit peu. J'espère que la troisième partie sera la bonne et j'espère également tomber sur une bonne map. Hop, et la troisième partie, les gars, on est sur l'asile. Alors là, franchement, je suis content parce que celle-là au sniper, par contre, elle est pas mal du tout. Il y a quand même pas mal de lignes. Et du coup, également, dernière modification, j'ai enlevé le saut TP du chasseur. Je sais pas si voilà, en double saut avec contrôle amélioré. Voilà, c'est la seule petite modification que j'ai fait. Je vais garder le pont. Et bien évidemment, je vais garder le Finistère. Voilà, apparemment, on spawn sur A si je me trompe pas. Ah, par contre, cette map-là, elle est vraiment pas mal pour le Finis, du coup. Allez, assistance, on s'en fout. Oh, ça fait un truc doux. Et les gars, j'ai un problème là. Ils sont tous dans le rouge. Ils prennent pas les balles. Ok, il l'a pris. Par contre, il l'a pris hyper vite, putain. Ok. Ok. Ah, dommage, les mecs. Ils ont pas couvert mes arrières. Mais bon, ils buguent un peu les mecs en face aussi. Ok, on va faire la technique de la petite pute. Si j'arrive à monter. Vous êtes en tête. Ouais, je fais de la merde là. Moi, je suis en train de me concentrer sur un mec alors que je me fais tirer tout au dos, tu sais. C'est... Zone C sécurisée. Allez les gars, du coup je vais essayer de vous aider là vite fait. Deux pour le prix d'un. Zone B sécurisée. Des fois mon arme elle tire pas, mais ça fait vraiment des trucs chelous hein. J'ai l'impression que j'arrive pas vraiment à maîtriser encore cette arme. J'ai vraiment du mal. Ça, elle manque quand même pas mal d'entraînement. On va pas se mentir, les gars. Des munitions lourdes arrivent. Double dose. Ah, il me l'a mis, bien joué, mec. Il y a beaucoup de munitions recalibres. Vous avez vu dès qu'il me tire dessus comme mon viseur se lève un petit peu là. Ça c'est munitions recalibres les gars et ça fait vraiment super mal. Allez. Merde, je voulais vraiment faire le troisième kill. J'étais donné mon cul mais je voulais vraiment faire
un petit enchaînement quoi. J'aimerais bien finir sur un petit enchaînement cette petite vidéo, franchement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez voir d'autres armes. Franchement, là, j'ai pris le Finistère qui pour moi est vraiment l'arme la plus difficile à maîtriser dans Destiny, hein. D'après moi. Zone B neutralisée. Oh, bien joué. Il lui a rendu, il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Bien joué, mon ami. Allez, les gars, il y a du super là sur B. C'est une petite folie. Il reste 5 minutes. Double frag. Zone B. On a fait le double frag. Allez. Ok, c'est les mecs. Perdu. L'ennemi a capturé la zone C. Dommage, dommage. Zone A neutralisée. Zone A sécurisée. Ah, je croyais vraiment que je l'avais mis, les mecs. Ah, il a mis le coup de grâce. Ah, on finit premier de la partie, franchement, c'est plutôt pas mal. Après, bon, j'ai fait quand même pas mal de frags à l'épiste, ça, je le sais très bien. Mais en tout cas, c'était une bonne partie, franchement, pour finir un petit peu mieux que les autres, voilà, franchement. Je pense que ça va un petit peu crescendo, c'est sûr. Bon, plus on joue, plus on est chaud, bien évidemment, c'est sûr et certain. Hein. Il faut jouer pour être bon. Mais c'est plutôt pas mal, on va regarder. Bon, 24 frags. Bon, j'en ai fait pas mal quand même. Avec, j'en ai dû en faire 2 pompes. J'en ai fait à l'attaque de mêlée. J'en ai fait quelques-uns en épices. Mais bon, c'est plutôt pas mal, franchement. 24 frags pour finir, les gars, avec le Finistère. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et puis à me dire pourquoi pas. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Et dites-moi surtout l'arme avec laquelle vous aimeriez bien me voir jouer. Pourquoi pas également. Et j'ai hâte de voir vos commentaires. En tout cas, je vous dis à très bientôt, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss.